look at me. My actions are unbeautiful, it's clear to see. Du coup, bonjour, bonsoir la diffusion, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de Kingdom Hearts 3, de ce jeu juste magnifique. Et on se retrouve dans le monde de Toy Story, qui est un monde très, 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 très cool. Je peux pas rebondir avec ça, non? Je peux faire ça, ouais, mais il me semblait que je pourrais rebondir. Bon. Alors, attendez. Compétences, vite fait. On va activer Pirouette parce que c'est ultra fort. Raté au fait. Raté, raté, mais c'est... depuis 4h et 46 minutes. Hop, le Lucky Emblem. Mais en tout cas, c'est... attends, je suis... pousse-toi. Oh, mais elle est conne. Oh, elle a perdu une touffe de poils. Non, je te cache. Non, pas sur la chaise. Et c'est foutu sous ma roue. Enfin, c'est moi qui... enfin, elle avait des poils sous ma roue et du coup, quand elle s'est relevée, bah, elle a perdu une petite touffe. C'est bon, ça fait un long MDR. Mais non, mais c'est trop bien, je peux pas faire moins long, mais c'est ça tous les jours. Hein. Là, je peux pas. Hein. C'est... une fois que je suis parti dans Kingdom Hearts, c'est... Kingdom Hearts 3, je l'ai fini en 3 jours. Hein. Kingdom Hearts 3, je l'ai... non, peut-être pas en 3 jours. Bah non, parce que je t'ai fait, mais genre c'était... j'arrivais le matin... Je me levais le matin, avant de partir au taf, je jouais. Je rentrais du taf, je jouais. Je mangeais, je jouais en même temps. Je dormais pas. C'est... pour le coup... c'est le genre de jeu, genre je peux pas m'arrêter. T'as traîné ou pas, Coco? Car je me suis arrêté un peu après ça, mais j'ai pas eu l'impression d'avoir regardé presque 5h XD. Bon, ça, tu t'es arrêté après ça. Ah oui, c'est vrai que t'as regardé Let's Play de Brie, j'avais oublié. Je sais pas si j'ai traîné. Je sais pas si j'ai traîné, mais... je sais pas. Mais ouais, c'est... ce jeu est génial, franchement, c'est... c'est... T'es mal les détails, juste je sais pas, moi, je surkiffe. Je surkiffe sa mère, ce jeu. Ce jeu est trop bien. D'ailleurs, je sais plus si j'ai sauvegardé. On va sauvegarder. Hop. Non, j'avais pas sauvegardé. Je surkiffe. Et ce monde, en plus, ce monde est génial. Genre, tous les mondes sont géniaux. C'est... tu te balades dedans et tout, c'est... J'adore. Je dis que j'aimais le jeu. J'aime ce jeu. Tac. D'ailleurs, la diffusion, les miniatures sont faites par Ophi, hein, je tiens à le dire. Bateau pirate, ouais, non, on va pas l'activer. C'est pas intéressant. Par contre, j'ai toujours pas la foudre. Hein. Ouais, parce que les miniatures, elles vont être stylées, c'est pour ça que je le dis. Galaxy Toys is on the other side of town. T'inquiète. Juste. Qui a une nouvelle compétence d'ailleurs? Ah, bah ça doit être Woody et Buzz. Attends, je veux juste. Désolé, un chemin de chaise. M'avancer un petit peu. Voilà. J'ai l'impression pour les miniatures. J'ai l'impression pour ouais, ouf, mais t'as. T'as intérêt, hein. Ça c'est... en fait, c'est le jeu, hein. Faut pas te louper. De toute façon, je regarderai. Je te dirai si j'aime bien, si je préférais ça, hein. T'inquiète pas, ton cul de peau. Filez-moi ça, là. Hop, je dépouille, c'est important. Et là, c'est le jeu, hein. Faut que tu m'envoies les photos. Et je te fais mi, tiens, ouais. Je t'enverrai. Mais franchement, c'est... c'est le jeu, c'est l'ultime jeu, c'est... jusqu'à Kingdom Hearts 4. Go! Yes! Oh yeah! Attendez, il faut qu'on teste la nouvelle Keyblade! Je suis fou, moi. Je suis fou.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que je peux faire ça. Merde. Ah putain, quand je remonte. Par là. D'ailleurs, Coco, tu apprécies beaucoup ce jeu. Mais un avis sur Resident 4 de SAO. Non, j'ai pas pris l'élan. Putain. C'est trop bien. C'est deux trucs dans ma vie actuellement qui sont trop bien. Alors, ça donne quoi? Un coffre. Et ce coffre donne... un élixir. Non mais, hey, Alex. Alex. Théma. Je suis dans le monde de Toy Story. Pas dans la chambre. Pas dans la chambre. Pas dans le... Pas dans la chambre. Pas dans le... Pas dans la maison d'Andy. Je suis dans la chambre et dans la rue. Théma, on peut aller dans la rue? Non mais... Regarde-moi ça! C'est trop bien! Est-ce que c'est pas trop cool? Franchement. Mais tu vois, le prochain monde, pareil. C'est... C'est un truc de ouf. Je surkiffe. Franchement, je surkiffe tellement ce jeu. Je suis tellement... En fait, je me dis, je suis... Ça me gêne pas d'avoir entendu... Genre... Je me dis, avoir attendu, je sais plus, 10 ans, un truc comme ça, là. Enfin, j'ai attendu Mastan. Je me dis, ça valait tellement le coup. Même s'ils auraient pu faire mieux, ça valait tellement le coup. Et regardez, regardez, regardez. J'ai deux Keyblades. Enfin, deux Keyblades, plutôt deux trucs, mais... Théma ! Théma, est-ce que je peux faire ? Et je crois que je peux la faire encore évoluer. Oui, je peux la faire encore évoluer. Regarde-moi ça! Ça devient une lance! Et... Pouh! Pouh! Et le coup de race, le coup de race! Et boum! Oh, j'adore. Putain, je reprends autant de plaisir que la première fois que j'ai fait le jeu, quoi. C'est un truc de ouf. Alors que je connais le jeu! C'est fou. Essayez de pas être pour FF7. FF7, mais ça va être une pépite aussi. Je peux remonter, j'ai l'impression là. Oui. Je peux remonter et... Et bah c'est tout. Et on peut retourner dans la chambre. Oh, j'adore. J'adore ce jeu. J'adore, j'adore. Bah, je pense qu'on est good, hein. On va pouvoir avancer. Et tu vas voir, et encore, là c'est genre, là ce qu'on voit là c'est vraiment, allez, même pas un dixième de, normalement je peux ouvrir ça, normalement je peux l'ouvrir, ou pas, là il me semblait qu'il y avait un truc dedans, là t'as vu vraiment genre, un tout petit endroit de la zone, bon j'ai pas fouillé non plus mais genre, là c'est vraiment un tout petit truc hein. Tu vas voir quand on va arriver dans le, là où on se dirige, tu vas faire, ah d'accord. Ah d'accord. Attends, parce que là-bas, je sais plus si on peut aller sur la voiture. Non, sur la voiture, on pourra pas aller. Mais il y a sûrement... Je veux pas sortir de la zone, fais pas le con. Non, mais c'est de l'autre côté. Il y a un loquet emblème quelque part. Je sais plus où il est. Il doit être sur l'autre voiture du coup. Ah oh, mais c'est génial, franchement. Ah oh, je le dis, je le redis, mais c'est... Il est fou. Ce jeu est fou. Eh oh, tu te calmes toi. Hein. Fais pas le fou. Hein. Double arbalète, c'est parti. Et là, et en plus, genre, il y a une fusion que je kiffais dans Kingdom Hearts 2. C'était la fusion sagesse et c'était un peu dans le même délire. Genre, on balançait des petits pics comme ça. Sauf que cette fusion, bah puer la merde. On va pas se mytho. C'était la moins forte, je crois, de toutes les fusions. Et bah là, c'est pas la moins forte. Du coup, c'est utile de faire ce que je fais actuellement. Donc c'est trop cool. Bah il était là, le fameux key emblem. Je crois que j'en ai raté un. Hein. Je crois que j'en ai raté. Ouais, j'en ai raté un. Je sais plus où il est. Je crois qu'il est dans la chambre. Mais bon. On va pas s'y attarder, j'ai la flemme d'y retourner. Ah, c'est peut-être là qu'on peut ouvrir. Ah non, on peut pas y accéder. J'ai hardi.
Et le gendarme, on a vite fait vu. Bon allez, allons dans la vraie zone du monde. Là, c'était un petit endroit bonus, tu vois. C'est tranquillou, les petits loups. Ah d'ailleurs, il y a une cinématique, je vais me taire. Doesn't that toy move? I guess it hasn't figured it out. Figured what out? I can make it move for you. Oh. Huh? You're from the dream! The first of the Xehanorts! I'm so honored you remember me. Oh no! He can't move! Way cool! Look out! One heart's shadows fill the emptiness of another. See how they bring him to life? Like heartless and nobodies, they fit together. Enough! Why are you doing this? There's a darkness we are missing and must reclaim. The way hearts connect in this world can provide us with a clue. So we made a copy of the world, and then pulled those hearts apart. I wonder how you'll handle the strain. Wait! What does that mean? Don't let me down. What is going on? Is this toy a friend or foe? I think we've got our answer. Yeah! If the Heartless know how to do it, there's no reason you can't. Do what? Huh? Brilliant! I'm on it! Et c'est bien ce que vous croyez. On va pouvoir contrôler les machines. Oh, j'adore. J'adore. Et chaque machine a sa propre... Oh putain de merde, c'était un dash. Chaque machine a ses propres capacités, là j'ai des tirs classiques et des attaques au point plus des bombes de plasma. Voilà. Et par exemple la rouge je crois elle est plus destinée au cac. Il y a aussi une violette qui est destinée à... C'est un peu un sniper quoi. Mais t'as plein de trucs comme ça. Et vous voyez le magasin? Bon là il paraît petit. Quoique bon, non plutôt que ça, regardez, Théma, on va pouvoir se balader dans tout ça s'il te plaît. Titan Fall, c'est ça, c'est pareil. C'est pareil. Et en plus, là le monde, ce monde là, il est grand, hein. Il est hyper grand. Mais c'est pas un open world, il y a deux, trois mondes je crois, je sais plus. Bon, bref, il y a quelques mondes où genre c'est open world. Et vraiment, t'as genre un jeu dans un monde, c'est un truc de ouf. Je pense à un truc, sans spoiler, qui me fait penser à Sea of. Oh, je spoil pas, ça me fait penser à Sea of. Ah, le stream a crash ou c'est juste moi? Non, c'est juste moi, je crois. C'est juste moi. C'est reparti. Est-ce que vous pouvez me confirmer que le live est bien présent? Finalement, ouais, on peut. Voilà, on peut voler. Voilà. Théma. Ce jeu, il est trop bien. Bon, j'y vais. Bonne fin de stream, Coco. Yes, c'est là. À toutes.
À tout à l'heure. J'espère que ça t'a plu la démo. Ouais, c'est la démo depuis tout à l'heure. Merde, merde, merde. S'éjecter. Attention, hein, sur une note, ça peut être cool. Attends, toi. Toi là. Hop. Viens là, toi. Viens là, mon gros. Moi j'ai bugué perso, donc ça vient peut-être de toi. Ouais, il y a eu un petit lag. Ouais, il y a le lag. Ok. Merci, merci. Ouh. Oh non, déconne. Ah merde, j'ai plus de puissance. Mais attends, je crois qu'on peut aussi. Ah, il va mort lui. Il va clairement mort. Ah, c'est passé entre les deux. Il est passé entre les deux. Voilà, c'est vraiment un kiff. C'est vraiment un kiff sa mère. He was being controlled. He wasn't just switched into battle mode by accident. Buzz? It's nothing. I'm confused. Hmm? That guy in the black coat, did he say he made a copy of the real world? What's that mean? It probably means they split this world in two. Your friends in one world, us in the other. Only one of the worlds is real, and the other is just really convincing. You can't be serious. Oh. That's right, you're from a video game. Well, maybe in your game, that's how things work. But here in reality, you can't split worlds. Huh? Well, this is ridiculous. No. Hey. Huh. Woody, let's go. I admit, it does sound just a little far-fetched. But, say we have been taken to some kind of alternate world. That would explain why your laser's real. And is it really that crazy? Worse than evil emperors and protecting the galaxy? Any of that ring a bell? Point taken. But that just means these strangers are part of the delusion. I say it's time we parted ways and went home. Thought we were friends, not strangers. Look, I get that it seems weird. But we know something's wrong with the place. We should stick together. Sora's right. They helped with the intruders, so they might help find our friends. They have been there for us so far. You can't deny that. Come on. Every toy deserves a fair shake. Am I right? Tell it to that toy over there. Sheriff, sir! Huh? Rex has just been dino-napped! What's that? What? My men saw him get hauled up to the second floor, sir! Him and the aliens are MIA! Come on! We have got to find them! Please, let us help! Yeah! Well, Buzz? Do you really think we can save our friends on our own? We didn't get very far before. We gotta take all the help we can get. Don't worry. Hmm? Sora can be reckless. What? And Donald grumble a lot. It's true. But you can trust him. He suspects you do. It's true. Huh? He does? See, they don't seem bad. Am I right, Buzz? Okay, fine. We do need the extra help. But just so we're clear, I remain skeptical about this. I'll work with you till we find our friends. Okay. Thanks for the help, Sora, Donald, Goofy. My troops will return to the field, sir!
This ascent is gonna be rather tricky. Too bad we're not strapped to a rocket, huh? Hey! Think we could use that? Oh. It's perfect! Come on, guys! Come on, guys! J'adore quand les cinématiques sont pas coupées par des Genre, t'es là tranquille et genre, tu regardes ta cinématique et puis d'un seul coup, pouf, t'es dans le jeu! C'est juste trop bien. D'ailleurs, les figurines que t'as dans le pack collector que j'avais vu, bah c'était les trois là. C'était nous trois là. Voilà, j'ai ça dans ma chambre. Voilà, je suis content. Chicken. Et du coup, on va pouvoir se balader dans tout le magasin qui est juste hyper grand, sa mère. Alors, vous voyez le monde Hercule ? Bah, je crois qu'il est plus petit, par exemple. C'est un exemple, hein, tout bête. Hop, je récupère ça. Je m'en souviens de ceci. Normalement, je suis monté là-dessus. Peut-être là. Ah non, comment je monte ? Oh non, mais les gars ! Oh non ! Bah oui, mais je peux pas y accéder ! J'ai pas foudre, forcément. Dommage. Est-ce qu'il y a un petit trésor quelque part, le pal ici? Je n'ai pas l'impression. On n'a pas la carte par contre, ça m'embête un peu. Je sais pas où elle est. Parce qu'on voit pas où on peut sortir de la map, etc. J'ai envie de la trouver assez vite. Bon, clairement, il y a plein de trucs à faire ici. On a de quoi s'amuser. C'est un truc à jouer. On a largement de quoi s'amuser. Un ingrédient. Hop. Attends, je cherche le coffre qui est ici, je sais plus où il est précisément. Mais il y en a un ici, je le sais, je le vois, je le sens. Et je m'en souviens. Putain, c'est fou quoi. J'ai tellement bien fait de pas, genre une fois que j'ai fini le jeu, de pas revenir dessus pour faire un 100%. Parce que en général, quand j'ai fait le jeu une fois à 100%, bah je reviens très rarement dessus. À part si c'est un jeu qui est relativement court, genre Beyond, Jack and Dexter, etc. Genre les gros jeux, en général, une fois que j'ai fait à 100%. Je reviens très rarement dessus. Et du coup, bah, qu'à choix, si j'avais fait un 100%, peut-être que j'y serais retourné pour faire en live, bien sûr, je pense. Mais ça aurait été moins prenant que là, c'est autant prenant. Parce que là, vraiment, je connais le jeu, hein, j'ai l'impression de le redécouvrir à chaque fois. Enfin, à chaque fois, du coup, là quand je le refais, là. J'ai l'impression de le redécouvrir, c'est juste. Comme sensation, c'est super agréable. Sera le but, c'est que tu montes, en fait. Enfin, bref. Je pense que vous l'avez compris, hein, je surkiffe ce jeu. Je le surkiffe, c'est une pépite. Je regrette pas l'avoir attendu. Et d'avoir cru en eux. Par contre, je regrette d'avoir eu peur d'être déçu. Parce que c'est toujours le gros problème des licences comme ça. Genre The Last of Us, Final Fantasy, Kingdom Hearts. C'est des licences que je kiffe, hein. Y a quoi d'autre comme exemple là tout de suite? Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Enfin, bref, tu vois ce genre de jeu. Et ben, quand il y a une suite ou un remake ou un truc comme ça, ils peuvent pas se foirer là-dessus, tu vois. Genre c'est... T'as trop peur qu'ils ratent le jeu ou ce genre de choses, ou que le jeu soit pas ouf, ou je sais pas. J'ai toujours cette crainte sur les grosses licences que je surkiffe. Et ça arrivera un jour, hein. C'est même déjà arrivé, je pense. Mais voilà. Mes petites craintes, et bah, Clash 3, ça a été ma crainte pendant très longtemps. C'est que le jeu avait l'air trop bien, hein, quand tu vois les trailers et tout, les machins. Y a pas de coffre ? C'est quoi ce délire là ? Y a pas de coffre, y'a rien. Bon, bah. Ça a été ma crainte pendant très longtemps que ça soit un jeu qui me plaît pas, quoi, tout simplement. Et finalement, je pensais que ça allait me plaire, et bah ça m'a plu, hein, clairement. Ça se voit, je pense. Il me plaît beaucoup, ce jeu. Bon, bah, il me semblait qu'il y avait pas mal de trucs en bas, bah, je suis... Apparemment, non. Allons au premier étage, du coup. Ah, la carte. C'est la carte pour te montrer le chemin. C'est la carte. Et... Pouah.
Ah, attendez, on va commencer par celui-là. Franchement, c'est... Quand il joue, c'est... C'est indescriptible. Ah, regardez, je sais pas. J'ai jamais regardé de Kingdom Hearts. Peut-être que j'ai regardé un petit peu Bouilloche et tout, mais... Voilà, quoi. J'ai jamais regardé de Kingdom Hearts, mais il jouait quand t'as le jeu dans les mains, mais c'est... C'est fou, quoi. C'est fou de ouf. C'est incomparable. Il y a très peu de jeux qui m'ont mis dans cet état-là, quoi. À part, du coup, Kingdom Hearts 1 et 2, par exemple. Ceux qui m'ont le plus marqué. Richard of Memories, clairement, ça, j'étais pas dans le même état. Hein. Mais ouais, c'est fou, quoi. T'as le jeu en main, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Pichour, pichour. Attends, ça... Écoutez. Ça me tue. Tu vois, ils ont pensé à juste ça, tu vois. Genre, on détruit des bobines de... Enfin, des ballons de... Avec du... Comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, qui peut changer ta voix. Ils ont fait des dialogues avec la voix changée. C'est un truc de ouf. Moi, je trouve ça hallucinant. Personnellement, ça... Je vais mourir, par contre. Je trouve ça ouf. Pouf. Je trouve ça ouf. C'est un tout petit truc, hein. Vraiment, c'est rien. C'est rien du tout, mais... Oh là là. Les liens, voilà. Écoutez. Hé eh ah. Ya, hé eh. Ingredient. C'est... Oh là là, je suis fan de jeu. C'est trop bien. Je suis sûr qu'il fait... Hé hey, oh hé hey. Ah. J'adore. Je suis long. Jamais avoir pété le garde, par contre. Ah, on fait zéro dégâts. Attendez, je vais chercher un robot. Je reviens. Bah, je vais manger. Moi, à tout à l'heure. À toutes. À toutes. Où est-il? Ah merde, il m'a essuyé. Ça fait mal, ça. En plus, on peut quasiment le spammer. On n'a pas testé le rouge. Enfin, je vais vous montrer. Il y a aussi un blanc, je crois. C'est un peu l'ultime. Mais je sais pas si on peut l'avoir là tout de suite. Donc il y a ça. Il y a le giga point. Pouf. T'as les dash, ok. Je crois que tu peux voler moins haut. Pareil que... Ah, peut-être pas, en fait. Et t'as le point classique, ok. Bon, clairement, je pense que le bleu, c'est le plus efficace. Hein. Avec... Avec son... Son attaque de plasma, là. Hop, on va sauvegarder. Ah, je suis tellement heureux d'être retourné sur le jeu, là. Ah, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir. Alors, il y a quoi de beau, ici? Je sais qu'il y a un truc là-haut. Ah, lui, c'est... Ah, c'est rigolo, ça. C'est un mini-jeu. Il y a plein de mini-jeux, aussi. Il y a un mini-jeu que j'aime... Je suis pas trop fan, mais... Juste, je trouve ça trop cool de mettre des mini-jeux. Ah! Le but, c'est de faire la plus grosse montagne. Laisse-moi tranquille! Merde. Faut que je peux prendre des trucs parce que sinon, ça fait de leur mordre. Yeah. Ah, salaud! Laissez-moi tranquille! Bon, tiens, le problème, c'est qu'à une certaine hauteur, je crois qu'on est obligé de rester dans le centre parce que sinon on se mange le plafond. Ah, il y a trop de monde! Mais qu'est-ce que... Pourquoi ils sont tous paqués? Mais t'es mort! Ils m'ont bodyblock! Ces salauds!
Bon, il y a des défis à faire avec ces trucs-là où faut faire un certain nombre de scores. Et c'est un peu la misère. Après ce mytho. Mais ça, c'est pour le 100%. Ça nous intéresse pas forcément pour le moment. Mais c'est fun à faire, tu vois. Genre, sans essayer de faire un score, tu jouais comme ça, tranquillement. Moi, ça me dérange pas. On voit plus rien. Ah oui, non, oui, clairement. Ok, c'est juste pour voir. Ça, et ouais, tant qu'on n'a pas atteint la même hauteur, ça ne redonne pas de points. Je crois que celui-là est relativement simple. Et du coup, faut bien rester au centre et pas se manger le plafond, sinon tout tombe. On dit 9008. Ça va, c'est... Je crois que c'est correct. Je crois que c'est un truc comme 24000 le score à faire. De toute façon, on va le voir. Attraction prolongée. Fraise. Non, je crois que j'ai pas fait le bon score. Enfin bon, c'est fun. Franchement, c'est très très fun. C'est pas tout le temps le même jeu. Ça augmente la défense et le... augmente les gens la défense. Ah bon, clairement, ça c'est mieux. Hop. Tac. Je vais te donner ça à toi. Ça, j'ai un nouveau. Je vais aller dans compétences. Attraction prolongée. Prolonge la durée des dispositifs des commandes d'attraction cumulées. Cette compétence, ouais, ça m'intéresse pas des masses. Bon, pour l'instant, on va rester comme ça. C'est très bien. Toi, un nouveau. Toi, coopération prolongée. Vas-y, t'as des points. T'as tes PC à gogo. Vas-y, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Un nouveau sort. Ah, glacier. On va l'équiper, mais. Je suis pas fan. Franchement, moi, je suis surtout team foudre. En général, dans les jeux Final Fantasy, tout ça, c'est... Oui. Dans les jeux, en général, des RPG comme ça, c'est souvent food que je prends en priorité. C'est souvent ces attaques-là que je préfère. Hop, allez, grimpons. Et s'il y a quelques coffres, il y a aussi un... Un lucky emblem. Toc, 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 toc. Ah, ou juste un coffre. Attache brasier. Y'a pas un lucky emblem ici? Il me semble que si. Que je dise pas de conneries. Ah, peut-être pas en fait. Ah, peut-être pas. Peut-être pas. Bon. Peut-être pas, j'ai petit de la main. Allons chercher Rex, on finira de fouiller le troisième étage plus tard. Hop, bateau pirate, c'est parti. Go. Yes. Go. Yes, d'ailleurs faudrait peut-être que... J'aille un peu dans la station bug. Hein. Ça pourrait être une bonne chose, je pense. Avant lui, il est pas mort. Je pensais qu'on allait le défoncer. Ah, si, on fait quand même des dégâts. Ouais. J'ai l'impression qu'on. Oh non, j'ai pas activé les pirouettes. Alors, j'ai pas appuyé sur mon bouton. C'est possible. Ok, ça c'est fait. Attends, un petit coup encore. Bon, j'ai dû rater encore des Lucky Emblem, hein, ça c'est possible. J'avoue que ce monde est tellement grand que... Ah ! Hi ! Where'd he go? You sure you saw him? Yes! He just... Shh. Do you guys hear something? What's that? Oh. Something feels wrong. Oh! Another toy's being controlled!
buzz. You sure? If it wanted to play nice, then it should have stayed away from my friends. Et on est parti! On est parti! Oh putain, il y a pas mal! Je pensais qu'il allait en avoir qu'un. Ah, la batterie est faible! Elle tient pas longtemps! Merde! Elle tient pas longtemps la batterie en fait! Je me rends compte. Oh, ça fait mal ça! Ça fait très très mal! Ils sont un peu bizarres hein! Pouf! En taille rapide. Tout ça, c'était pas trop dur. Nice moves, Rex. That's great. Great, really? Would you say I was impressive? Very impressive, Rex. We couldn't look away. Hooray! Oh, that makes me so happy. Were you watching too? Did you see what I did? I'm going to hear some, listen, but I think Rex, I might have actually achieved something close to Earth terrifying. To Rex. Do you know where the others were taken? What do you mean? Did something bad happen? Back to square one. Oh, great. Huh? Sarge, have you got a status report? Sir, one of my men just located Ham, forward of our position, in babies and toddlers. The corp was debriefing him, but something must have gone wrong. All radio contact has been lost. Anything more specific we can go on? Right before I lost contact, I heard music with some sort of sonic interference. Music? You think it could be the Heartless? You think that would be monster? Let's find out. I agree. Actually, I think I'll head back and wait by the entrance. I'm sure those vents are going to be much too narrow for my big dinosaur tail. Really? I'm sure you'd fit. Rex is right. Besides, we need a lookout at the entrance. It's an important mission. Can you do it? Yes, sir! Ok, avant de traverser les conduits, hein, on fouille, parce que c'est trop bien de fouiller. Et parce que je sais où sont les coffres, plus ou moins. Donc on fouille. On fouille. Attendez, il y a un mini-jeu là, c'est trop drôle. Je veux faire. Comment on joue? Voilà. J'adore. Tu vois, c'est un tout petit détail. Ça a dû leur prendre je sais pas combien de temps à faire encore ces petits trucs à la con comme ça, mais je kiffe. Oh! J'ai jamais fait gaffe! C'est Ifrit, Bahamut et Odin! Oh, c'est stylé! Dissidia, Final Fantasy. Oh, c'est stylé, sa mère! Oh, j'adore. J'adore sa mère! Attends, je peux monter là-dessus, là? Oh, je peux monter dessus. Oh, trop stylé. Voilà, je suis vraiment content. Je suis vraiment content de jouer à ce jeu. Il est trop bien. Je vous saoulais à force de le dire, mais il est trop bien. J'adore. Bon, les Lucky Emblem, je les vois pas. Hein. Je sais plus trop où ils sont. Mais je les vois pas du tout. Mais de toute façon, ces mondes-là, ça va être les plus chauds. Ceux-là et les open world pour les Lucky Emblem, ça va être infernal. Pas un petit coffre qui traîne. Oh, c'est quoi ça? Y'a pas un petit coffre qui traîne ici? Il est là-dedans. Ah d'ailleurs je crois qu'on peut...
Non, si j'ai pas de conneries, on peut casser les... Non, pas ici. Il y en a qu'on peut casser, je crois. Il y a des jouets qu'on peut... Enfin, des boîtes de jouets qu'on peut casser. Alors, comment je... Ah, d'accord. J'ai compris. J'ai compris comment monter... Ah ! Pas comme ça. Attendez, on va aller plus haut. Hop. Les doigts dans le nez. Ah ! Boucle de Solta. Oh, de la thune. Ouais, ça me paraît logique. Ok. Celui-là, je l'ai récupéré déjà. Et là-bas, j'ai pas trop fouillé. Je peux monter là-dessus. Je peux pas monter là-dessus. Oh, le key emblème. Ah non, pas du tout. Autant pour moi. J'y ai cru. Bon bah ça m'a l'air bien fouillé. Je vois rien de spécial. Le problème c'est que le plus dur là-dedans c'est de se concentrer sur les coffres et sur les Lucky Emblem. Parce que les coffres ils sont forcément posés. Alors que les Lucky Emblem ils peuvent être sur le plafond, au sol, sur les murs, tout ça. Du coup c'est assez chaud de se concentrer. Et puis il peut être de n'importe quelle taille. Du coup c'est assez chaud de se concentrer sur les deux en même temps. Bah c'est vrai qu'il y avait plus de choses que ça. Mais... Franchement, c'est génial. Bon, certes, c'est par exemple, tu prends ça, c'est juste plein de boîtes, c'est les mêmes. Et encore, c'est pas forcément les mêmes. Et genre, voilà quoi, c'est fait à la vite. Mais non, tu vois, même ça, t'as l'impression que c'était détaillé et tout. Tu regardes les boîtes, elles ont toutes été. Enfin voilà quoi, c'est. Je suis là, tu me griffes. T'as l'impression que tout a été fait. Enfin, pas à l'arrache en fait. T'as les jeux, t'as l'impression que tout a été fait à l'arrache, mais là, clairement pas. T'as l'impression que tout. Chaque petit détail a été fait pour que ça soit stylé et tout, et t'as l'impression que rien n'est bâclé, quoi. C'est un truc de ouf. J'irai pas jusqu'à dire que c'est comme Red Dead Redemption, parce qu'apparemment c'est un truc de malade ce jeu. J'y ai jamais joué et tout, mais voilà quoi. Mais franchement, c'est tu te prends une claque quand même. Hein. Bon bah ça m'a l'air good. On va pouvoir monter. Tac tac tac. Ok. Bah, de toute façon, je sais où il y a un point de sauvegarde. On va s'arrêter là-bas. Pour aujourd'hui, puis demain, on continue. De toute façon, tous les jours, il va y avoir du cash. Tous les jours, il va y avoir du cash. Stream. Faisceau laser. Non, ça m'intéresse pas. Pas envie de l'activer. Par contre, ça, je veux l'activer. Et ça aussi. Aha. Concentration. Qu'est-ce que c'est ça? Une lampe torche. Une fausse lampe torche. Oui. Oh, le key emblem. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Je sais pas où ça sert ça. Alors, pouf, ça c'est bon. Alors, voyons combien on en a raté. Beaucoup, hein, ça c'est clair. Ah, pas tant que ça. 2, 4, 6. Non, 5. Il nous en manque que 5. Oh, ça va. Il y en a un à la maison, je pense. Et puis les autres, je sais pas. Je me souviens plus trop de où ils sont dans cette zone. Je sais pas si je prends le bon chemin. Bon, il y a de la foot, je sais pas si c'est Trevor ce que j'ai fait. Je sais pas si c'est Trevor. Here we go. Come on. Back off. Oh, il est pas mort lui. Il est fou. Pouf. Alors, où est-ce que je vais? Là-bas, si j'ai une impasse. Alors, normalement, peut-être que ça ramène... Ah, voilà, on va aller au coffre, là, normalement. Pas du tout. Pas du tout, c'est pas là. J'ai confondu. Du coup, faut aller par là. Si j'ai bien tout compris. Je te casse, tu me griffes. Un petit coffre ici, on récupère.
Reconcentre. Ah, la zone de la mort. Go, 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 go. Ah, c'est vrai qu'il y a ça. Je sais plus comment on fait. Ah bah, faut juste attendre. On s'en va? Non, attends, attends, attends. Je pense qu'il faut les détruire. Je pense qu'il faut les détruire. Ah. Attends, fusil, fusil, fusil. Oh là, ça va tout toucher. Ça va tout casser. Voilà, boum, 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 boum. Je sais pas si c'est un quelconque intérêt de tout casser. Bah, apparemment non. Ah. Pochou, pochou. Ça glisse. Mais si. C'est magnifique. Oh, j'ai pas envie de m'arrêter. J'ai pas envie de m'arrêter. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Un jeu de Mickey, génial. Oh, j'ai pas envie de m'arrêter, on s'arrête là, mais à contre-coeur. Vraiment à contre-coeur. Je voudrais continuer encore toute la nuit. Mais on va faire des trucs avec Ophie ce soir, donc Ophie et Alex, donc voilà, voilà. En live, bien sûr. Là, je vais manger, puis on... Avec Ophie, on va faire notre test de personnalité. Et puis... Après, on ira sur Sea Off avec Alex. Voilà, voilà. Bon, j'espère que cette rediff vous aura plu. On se retrouve du coup dans quelques heures ou demain pour la suite. Je ne sais pas où on en est dans les rythmes de rediffusion. Mais sachez que quand ça sera rediffusé, je pense que j'aurai probablement fini le jeu. Peut-être, je sais pas, parce qu'il reste encore quelques épisodes d'Astral Chain. Et vu comment j'avance relativement vite, enfin, comme je joue beaucoup, comme je suis en vacances, j'en profite. Le jeu sera peut-être, j'aurai peut-être fini le jeu avant que la première épisode sorte. Donc je sais pas encore, on verra, je verrai parce que là il y a encore quelques épisodes de Stratchain comme je viens de le dire. Et du coup, j'espère que le jeu vous plaît et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle rediff. Bye bye.